délivrance. Viens nous protéger, viens sauver le monde, par ton simple cœur. Viens sauver le monde, par ton simple cœur. Pitié mon Dieu, pitié pour nos péchés. Pitié mon Dieu, pitié pour toutes nos fautes. Viens nous protéger, viens sauver le monde par ton sacré cœur. Viens sauver le monde par ton sacré cœur. Pitié mon Dieu, pitié pour mon entier. Pitié mon Dieu, pitié pour toute l'Afrique. Viens nous protéger, viens sauver le monde par ton sacré cœur. Viens sauver le monde par ton sacré cœur. Dieu de délivrance, viens nous protéger, viens sauver le monde par ton sacré cœur, viens sauver le monde par ton sacré cœur. Bravo, Jean.
La paix dans le
de bétail. Et nous allons Marie-Boulière. D'amour, de patience et de fidélité. Ou pas volonté s'accomplisse en moi. Ou pas volonté s'accomplisse en moi. Ma et que par ta main tu nous conduises jusqu'au paradis. Et que par ta main tu nous conduises jusqu'au paradis.
doit s'installer au pouvoir. Et c'est cet homme qui doit apporter bon changement dans le monde. Et c'est cet homme qui doit apporter du bon changement dans le monde. Les bons amours et de paix. Vous n'êtes pas content de la parole que la mère nous avait dit. Vous n'êtes pas content de ce qu'elle avait dit et ça s'est réalisé. Vous n'êtes pas content. Alors les hommes d'amour et de paix, je vous prie beaucoup. Priez pour lui, priez beaucoup pour lui, pour qu'il puisse bien gouverner sur ce monde. Merci. Bonsoir les hommes d'amour et de paix. Bonsoir. Bonsoir maman. Je vais vous raconter ce qui s'est passé quand j'étais dans l'avion. Il y a un tout petit garçon qui nous a fait rire tellement on voulait à mourir. En une seule condition, que vous répondiez par si. Par si. Pas. Si. Pas. On va répondre par. Si. Fort. Si. Plus fort. Si. Voilà. Un jour j'avais mon pamplemousse. Si. Je partais à la mer. Si. Arrivé là, j'ai vu les polis. Si. Ils m'ont attrapé par mon candidatre. Si. Ils partaient à Yaba. Si. Dès que nous sommes arrivés à Yaba. Si. On a pris le ragoût. Si. Arrivé là, on est passé dans le restaurant de Madame Louis. Si. J'ai commandé un bon plat de mekouli. Si. Avec un bon pain rare. Si. Et du agnon. Si. J'ai mangé avec mon ami. Si. Mesdames, messieurs, honorables invités, hommes d'amour et de paix, bonne fête. C'est avec un sentiment de joie, une très grande émotion que je prends la parole en ce jour à l'occasion du 28e anniversaire de Maman Lumière. Seigneur Jésus, nous voudrons solennellement, en ce jour particulier, te prouver notre reconnaissance pour cette œuvre, cet enclos d'Esprit Saint que tu as su mettre au milieu de nous. Seigneur, dans la formation, l'information, l'éducation et l'enseignement que nous recevons de ta servante, chacun de nous trouve son compte. À travers cela, elle fait de nous des hommes intègres, des hommes de bonne moralité, des hommes aux attitudes agréables et dignes. Nous te glorifions, nous te bénissons et nous te remercions, Père, d'avoir caché aux méchants et aux malins le secret du bonheur, j'allais dire au béni, neutralisant ainsi l'esprit maléfique et démoniaque dans notre vie. Mille fois merci, Seigneur. S'il fallait applaudir une institution par son œuvre d'esprit et sa meilleure perfection dans la société camerounaise, ce serait le bureau Lumière grâce à Maman Lumière. Que le bureau Lumière est le garage des corps. Nous avons certaines insuffisances et nous te supplions, Père très bon, de changer et de remplacer tout ce qui manque à nos corps afin de rendre la tâche facile à ta servante. En cette année où le travail devient de plus en plus grand, Seigneur, nous te prions de la servir des équipements ultra-chics et de l'entourer d'une équipe performante pour cette nouvelle phase qui commence. Après les performances acquises par son enseignement, nous nous battrons jour et nuit pour nous aligner sur des sillons qu'elle a tracés.
Joyeux anniversaire, Maman Lumière. Maman chérie, merci pour ta disponibilité inconditionnelle. Merci pour ton cœur ouvert. Merci pour ton cœur plein d'amour pour l'humanité. Merci pour des prières et des sacrifices pour le salut de nos âmes. Ce que tu réalises est très significatif pour l'humanité. Tu es surdoué. Tu hostiles toujours à la première place. La persévérance et la performance sont tes seules armes. Nous ne pouvons que nous réjouir de la volonté affichée du Tout-Puissant qui chaque année te renouvelle sa confiance, car depuis une décennie, tu te bats corps et âme. Tu te bats corps, âme et esprit pour l'humanité entière. Pour nos approvisionnements réguliers, le Tout-Puissant a fait de toi une grande porteuse en te remettant les clés du ciel une fois de plus. Mère très bonne, tu es une rose lumineuse érigée au milieu des sourds et aveugles que nous sommes, pour faire échec à nos détracteurs. C'est pour cela que tu as une longueur d'avance sur nos ennemis. Maman, tu es réputée par ton dynamisme, par ton ingéniosité et ta capacité de sécréter des hommes d'envergure que nous sommes. La valeur et la place que nous pouvons te donner, c'est de mettre sur l'échiquier de notre vie pour te témoigner jusqu'à la tombe. Avec notre petite intelligence, Avec notre petite intelligence, nous ne savons pas quel qualificatif te donner. Tout ce que tu recevras comme reconnaissance et gratitude, maman, ne sera jamais égal au sacrifice que nous avons consenti. Au service de la santé de l'homme, tu interviens par la médecine curative, éducative, préventive, avec compétence et efficacité. Tu nous libères de la souffrance et de la peur. Tu nous guéris et soulages tous nos maux en t'appuyant sur la participation de chacun de nous. Pour le développement de l'homme, maman, tu interviens en t'intéressant à toute son existence, de son cadre de vie à son entourage, dépassant ainsi la maladie du corps. Dans la pauvreté et la misère, quand nous pensons que la vie ne vaut même plus la peine d'être vécue, tu nous donnes la joie de vivre. Tu nous donnes la joie de vivre, une place de choix dans ton cœur, et tu nous consoles. Merci, maman. Pour garder l'esprit intègre, tu as su demander humblement à l'aide du Très-Haut pour briser la barrière démoniaque dans nos villages et nos familles en date du 5 avril. Nous te disons grandement merci, car ton palmarès est très grand. Les hommes d'amour et de paix que nous sommes te souhaitent joyeux anniversaire et que l'année nouvelle te soit une année de paix, de prospérité, de santé et de longévité. Bonne fête, maman.
Thank you.